Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, c'est le Nerd et on est ensemble sur Dokkan Battle. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va tranquillou, aujourd'hui on se fait le Battlefield. Nouvelle édition, on va se faire ça en live, tranquillou. On va se faire l'intégralité des runs, on va voir à quel team on peut le faire, est-ce qu'il y a des gros problèmes, etc. etc. J'espère que ça va être plutôt facile, pas trop galère. Salut Baleno, salut à tous, salut au Léonard, salut au Léonas. Je voulais vous dire un grand merci à ceux qui pensent à passer sur Utip et à regarder la petite vidéo. Merci beaucoup hein, pour ceux qui pensent à le faire, que ce soit via le stream ou via les vidéos vidéo YouTube. Donc merci à vous les gens. D'ailleurs, le lien sera en description de la vidéo. Spoiler, pas de gros soucis. Moi, oh, bah, je pense de toute façon, je pensais pas avoir de gros soucis sur le truc. Hein. On est d'accord, hein, on est d'accord. Hein. Allez, c'est parti. Donc, nouvelle version du Battlefield. On est sur quelle version déjà? Je sais plus. 6, 7. Je sais plus. Allez, c'est parti. Alors, je vais me remettre un peu de tech. J'ai dans l'idée de faire deux team tech en fait. Hop, je vais prendre des leaders tech. Deux team tech, enfin, même trois team tech du coup. Deux teams qui iront. Deux teams super, donc une low et une. Comme ça, je ferai le premier boss agi en tech. Et je garderai. Et je garderai du coup les stunners, etc. Extreme Tech. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas de camp, mais. Allez, c'est parti. Donc, le premier boss agi, je le ferai avec une team low cost. Comme ça, j'aurai deux boss teams sur le pour le Zamasu au cas où. Guignol extrême 1, ton part en extrême endurance. Donc, même l'extrême endurance que j'ai un peu modifié. En y intégrant les Saiyans, vu que j'ai Broly et Broly. Du coup j'ai modifié un peu la team, du coup sympa comme ça. Elle passe très bien le Battlefield hein, en général. Donc là c'est bon, on part avec Kikus 3, c'est bon. C'est quoi déjà? Et le roi Gaara. Allez, c'est parti. Kai Kai. Ça va bien et toi? De voir ce que va donner le ZTUR du Black Goku Endurance. À mon avis, ça va arracher les fumes. Voilà. Ah, je vais mettre le Krillin, je crois, le Krillin Tech. Bon, c'est pas mal. Je devrais avoir de quoi le faire quand même. Du coup, deuxième boss, c'est Extrême Agi. On va partir en super tech, mais super tech low cost avec des cartes que je n'utiliserai pas pour le Zamasum. Comme ça, je garde l'extrême tech. Je garde l'extrême tech et la super tech pour le Zamasu.
Alors, une en deuxième leader. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le cri là. Bon, tant pis, c'est pas grave. Je vais mettre. Qui c'est qui lead en tech? Lui, je crois. 90%, ça passe. Hop. Écoute, c'est quoi? On va y mettre. Hop. Les cyborgs. Comme ça, ils feront leur taf. Et on va y mettre ça. Non, pas tout. Oui, c'est le virus, tiens. Hop. Bonsoir Pinzouille! Normalement avec ça devrait passer plutôt facilement. SVAJ, ouais. SVAJ attend aussi, hein. Bonsoir Kobi! Salut les gars! Pas très fort ce deuxième boss, on peut le passer avec une team un peu low cost. Même le Gotenks une fois ZTUR, c'est un monstre. Hein. Il est déjà un très gros connard de base. À 100%, vous imaginez bien. Hein. Virus va prendre tout ça. Oh, virus en mode gros bras vénère quoi. On va peut-être le garder pour Zabassou lui. Ah, les ZTUR quand ils sont vénères et qu'ils sont à 100%, ça met des sacrées tartes. Hein. Ça fait des DS en plus, on ira chercher du coup le doublon. On pourra mettre le couleur LR 100%. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on va partir en extrême pluie. On va garder la super pluie pour notre ami. Qui est en super pluie, ça doit être pour Trunks ou quoi. Trunks c'est en endurance il me semble. Attendez, j'ai un petit truc qui me gêne, j'ai des notifications en boucle. Là, ça s'est bien passé pour vous le Battlefield, pas trop de problème. Tu vas tranquille Pinzo, merci. Et toi? Premier run tranquille avec le tournier. Ah, je me dis bien. Ah, t'aurais été là tout à l'heure, Kubi, t'aurais rigolé sur The Division. On était en train de chasser l'exotique. Moi et NJ, ça faisait une heure et demie qu'on tapait les boss. T'as Sky qui arrive, qui se connecte. Il pop pendant qu'on fait l'attaque. On tue le boss, il chope l'exotique. Alors que nous, on n'a rien eu en 3 heures de farm.
Putain, mais ce château de Sky, quoi, c'est un truc de malade. Ah merde. Comme d'hab, ouais, comme d'hab. Ah, cette chatte insolence, quoi, c'est la chatte à Dédé, quoi. Somme qui a MMH n'est que des gemmes. T'étais pas un changeur de qui toi dans le passé, Boule? Hey Shiryu, on va assister à un medley de différents morceaux de Senseiya. Mais je te préviens, ce sera pas Samir Lipopette. Un et une nénette qui fait des la. Là, ce sera bien plus hard et métallisant. Oh, ne t'en fais pas, mon ami. J'ai un peu du cul, Myron. Pour ces musiques modernes qui envoient du Myron de qui pue un peu du zboob. La vache, ça t'a pas réussi d'être entraîné par un abo de 261 ans. Allez, laisse 12 tweets. Le plateau de qui, plutôt. Je crois des runs de qui. Enfin, demain, c'est la dernière. Il reste, on pourra pouvoir farmer les exotiques samedi dimanche. Avant la mise à jour, hein, bien sûr. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est fait. Ouh, elle se transforme. Bonjour. Allô, salut. Ah, première défaite pour Baleno. J'adore ce freezer. Hein. Il met des tartes. C'est Jean-Michel Gangbang ce freezer. Hein. C'est un truc de malade. Ah ouais. Il est bien aussi le petit matin. Bah moi jusqu'à présent j'ai dû me débrouiller sans stun, hein. Chaque fois que je l'ai fait quasiment j'ai quasiment jamais stunné, donc j'ai quasiment tout le temps dû me débrouiller sans ça. Donc c'est vrai que le Zamasu il peut être vraiment vraiment casse-couille. Je sais pas comment tu fais sans stun. Bah je tape comme un boomerang, des grosses cartes 100% banane. C'est tout simple. Je tape juste plus fort que son heal, quoi. Ah, j'ai pas eu de chance, moi, sur les stuns. Ça a été une catastrophe à chaque fois. J'ai toujours pas eu un run, tu sais, un run où j'avais de la chance sur les stuns. Non, non, pas le droit, non. Après, j'ai beaucoup plus de cartes 100% que toi, hein, Baleine, hein, faut le dire aussi, hein. Ok, ça c'est fait. Hop là. Bon, c'est cool, c'est de pouvoir prendre mon doublon. Et ça, j'aime l'idée. Extrême Hunt.
On va même se passer du petit beau Jacques. Bonsoir Kipo. Et c'est un presque full Saiyan, hein, mis à part le LR. J'aurais peut-être dû mettre Bojack. Ah, mais je me suis planté, mais quel noob. Attends. Je me suis planté, hein. Je crois bien que j'ai fait une bêtise. Bah ouais, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va gérer Cobas. Je sais pas pourquoi j'étais chercher Thalès alors que... Par contre, pas le stun. J'ai pas réfléchi. Bon, c'est pas grave. En cas de goutte, de doute, faut que tu goûtes. Broly versus Broly. Et ouais. Aïe aïe aïe. Ça picote. Merci couleur LR. Allons donc. Alors moi je suis d'avis qu'on attaque Zamasum tout de suite. On attaque Zamasum tout de suite. Allez hop, du coup, on va y aller à Team Full Bourrin. Est-ce qu'on lui met un petit stunner dans la team quand même? Ah, puis fuck les stunners, allez hop. Oula, y a pas de lien. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas le lien avec Végéto? Bah dis donc. Cent neuf.
105, hop, on prend le 109. Heureusement, il y a du qui tombe. Allez, full bourrinos! Voilà, 3 SP, c'est déjà un bon début. Allez! Aïe. Ah, elle se heal, la petite catin. Disparaît. Seulement 1,8 million. Oh merde. Ah, mais t'es quoi toi? Rasengan. Double Rasengan. Merde, il se relie là. Un crit et c'est fini. Oh merde. Je crois que j'ai perdu un tympan. Quoi? J'entends rien, je crois que j'ai perdu un tympan. Ah, il reste un poil de zop quoi. Et là je pars pas en spé. Fils de ta mère. Bon, il se soigne pas là. Allez, ça, il va mettre une spé, je vais contrer, il va mourir. Voilà, ça c'est la philosophie des vainqueurs. Il va mettre une spé, je vais contrer, et il va mourir. Et ouais, et c'est qui le patron? Ah. Voilà, l'oracle a parlé. Eh, là vous pouvez faire un clip, hein. Vous pouvez clipper les loulous, hein. Je vous le dis. Vieux maître, j'ai découvert quelque chose de sensationnel grâce à mon ami le chevalier Pégase. Un chevalier Pégase. Eh ouais mec. On est connu un dans le temps. Eh ouais mec. Garçon, mais pas bien malin. À croire que c'est un des critères pour obtenir la panoplie. Et que t'a-t-il fait découvrir, ton ami? Il m'a fait écouter du heavy metal, une musique dynamique et palpitante, mais un peu assourdissante. Non, on préfère clipper ta prochaine défaite au TB, bande de petites catins. Plouf, plouf, ça sera... Tiens, on va mettre toi. Ok.
Si c'est bien qu'on préfère quand tu meurs. Mais oui, mais vous êtes des catins ingrates. Hein? En fait, on drop les médailles par 18 sur l'event couleur. De quoi? Quel event couleur Je vois pas de quoi tu parles, Baleno. Leur hinte. Le métal couleur, tu veux dire? Bah, vous allez pas vous plaindre pour une fois qu'ils mettent un taux de drop élevé quand même. Le monde à l'envers ici. Merci Amras, merci pour le resub, 18e mois d'affilée. Merci Amras, merci pour ta fidélité, mon petit Amras. Ça fait super plaisir. Merci, ouais, ça va tranquillou. Hein. Ça va tranquillou, bilou. La revanche de couleur, mon peu plus. Un peu plus du tout. J'aime pas le fait qu'il tourne en l'air, Gogeta, je trouve ça bizarre. Stop le Battlefield, tu vas trop vite, t'auras plus rien demain. Ah, c'est vrai que là... ça y va, hein, ça y va, on est d'accord, ça va vite, vite. Ça va vite, niveau. Alors à 2 minutes le run, 2 minutes 30 le run, c'est vrai qu'on est plutôt bien. L'SP ultime va faire mal. Un petit crit. Non, tu veux pas crit. Triste. Les hints, ils ont du mal à crit quand même.
Ouais, mais les AJ, j'ai l'impression qu'ils critent un peu plus souvent. Moi, mon végétaux AJ, mon super végétaux, il crit quasiment tout le temps, quoi. En endurance, mon Gotenks endurance, pareil, il crit quasiment tout le temps. Ça va, c'est pas trop dur, non, ça va aller. En plus, la end, bah, super puits, quoi. Super puits des familles. Ah, j'ai oublié de mettre ma petite pan abeille. Les deux mages, j'aime bien la pan abeille. Ah, mais oui! Choubidoubidou, hop. Bon, ça va aller comme ça de toute façon. Super puits avec Burus LR et pan, j'avais l'impression d'avoir HP infini, tu m'étonnes. Bah, rien que la pan, hein. La pente toute seule, elle fait tellement le taf, la pente abeille. Oh, je la rajoute quand même, je l'aime bien. Parce que mine de rien, il peut cogner, hein, le petit Trunks. Il peut envoyer du steak quand même. Hein. On va garder Gogeta dans le tour quand même. Hein, pour déconner. Ouh, Gogeta va se régaler. Tiens, prends tout ça. Ouais, mais 30% des dégâts, enfin 30% des dégâts pour la pan, c'est juste insane. C'est énorme. Elle peut te régénérer des 100k par tour, voire même plus parfois. C'est what the fuck. Hein. Allez, Gogeta! Oui, un petit 2,2 millions. Ouais. Oh, la double SP de Gogeta, puis. Oh, j'aime. Voilà, Gogeta, il vient d'enlever. Il vient d'enlever presque 5 millions, hein. 2 millions 2, 2 millions 7, disons que la vie est belle. Hein. Le petit Goten qui vient tanker derrière, tranquillou. On est bien, mais je dis qu'on est bien. Elle est belle, l'aspect végétal. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve vraiment jolie. À part sur l'SP, on prend pas trop de dégâts. Hein. Les cartes sont quand même bien tanky, les dernières cartes qu'on a réussi à dropper là. Ouais, bon, voilà, il est mort. Hein. Voilà, rip. C'est la ripense. Hop. On va juste prendre ça avec lui, pour prendre un plus. Ah, dommage. J'aurais bien voulu un petit Ozaru avant la fin. Salut, Silectro! Comment vas-tu? Oh, dégâts de ouf qu'il met quand même. Après, c'est les cartes à 100%, donc forcément, c'est beaucoup, beaucoup de dégâts. Il y a des grosses stats. C'est un ZTUR avec un arbre de rang S. Donc forcément, ça coïne sec. Oh, plus que le boss de fin, plus que le Goku. Ça aurait été un Battlefield assez rapide, hein, mine de rien. Quand tout se passe bien, c'est quand même super intéressant. Bon la femme race.
Bah tu sais, même si les ennemis changent, hein. Même si les ennemis changent, ça va pas changer grand chose au Battlefield en lui-même, tu vois. Il y a des mécanismes qui changent, bah tant mieux, ça nous fera un peu de nouveauté. Ça c'est pas très très grave non plus, hein. La petite Kefla qui fait son cinéma, 3 esquives, et oui. J'aime les Battlefield où tout se passe bien comme ça, tu sais. Tes cartes envoient, envoient du pâté. Ça double SP, ça contre, ça fait tout ce que tu veux, ça esquive, tout se passe super bien, quoi. Tour, je pense, au moins Gotenks il se vénère. Gotenks il peut envoyer des claques à 4-5 millions, hein. On l'a déjà vu faire un petit crit, il peut monter à 4 millions. Easy, voilà, c'est ce que je disais. Un petit crit, il peut monter à 4 millions. Easy, décidément, ce soir je suis un devin. Voilà, voilà. Emballer c'est peser, hein, je voudrais du mou avec ça. Voilà le Battlefield. Est-ce que je fais. Est-ce que c'est tendu si je fais le Broly Tech avec mon support couleur non Dokkan? Bah ça dépend le reste de ta team, hein, Pinto. Team 1. Je laisse mater, hein. Alors voilà la team 1. Voilà la team 2. Team 3. Quatrième team. Cinquième team. Team 6. Team 7, donc c'est la team utilisée pour Zamasu, on y a vraiment été full bourrinos, hein. Full bourrin. Le Trunks, bah forcément easy, hein, avec la team crew. Et notre ami Goku qui s'est fait taillader. Voilà, voilà pour les teams utilisées pour cette version du Battlefield.